بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، أبنائي بناتي، أعدائي عدواتي، مزلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous aime tous en Allah, mes amis, mes frères et mes ennemis, musulmans et musulmanes, qu'Allah vous bénisse. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir dans le paradis près de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, près de notre prophète Jésus, près de notre prophète Moïse, près de notre prophète Jacob, Yaqub, Yusuf, David et tous les prophètes d'Allah connus et inconnus. Qu'Allah nous réunisse avec eux, avec les compagnons, avec les hommes et les femmes d'honneur depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Ça c'est pour nos amis musulmans. Nos amis non musulmans, mes frères et sœurs en humanité, quel bonheur, quelle affection, quel apprentissage, quelle amélioration, quelle formation. Mais quel bonheur! Wallahi, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses avec vous et de vous. Et grâce à vous, il parle. Quel bonheur! J'ai beaucoup d'affection pour vous. J'aime votre ouverture d'esprit. J'aime votre souplesse intellectuelle. J'aime les plus grandes valeurs que vous avez atteintes à cause de toutes les guerres, à cause de toutes les bavures, à cause de toutes les barbaries qui ont caractérisé votre histoire, malheureusement. Mais ça vous a permis de bien affiner votre courbe d'expérience historique et vous avez pu mûrir de belles valeurs, c'est vrai. Je vous affectionne, j'ai beaucoup d'affection pour vous. Vous êtes des sortes de Ferrero Rocher, vraiment. Vous êtes des sortes de macarons, souvent avec votre belle souplesse intellectuelle et votre tolérance. Très bien. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder la guidée, les délices infinies de la guidée islamique. Toutes vos valeurs, quelles qu'elles soient, c'est un atome dans les océans infinis de la beauté et de la bonté et de la puissance et de la logique, de la pertinence et de la béatitude, de l'apaisement et de tout ce que vous voulez comme chose belle de l'islam. Débarrassez-vous de la cathode médiatique et cybernétique qui vous a manipulé. Débarrassez-vous de la majorité écrasante des choses que vous avez apprises des siècles des Lumières et de toutes les manipulations issues des libres penseurs ou des penseurs esclaves de leurs pensées. Et soyez honnêtes, soyez sincères et vous allez vous retrouver. Vous allez surtout trouver Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez trouver la parole d'Allah. Vous allez trouver le prophète d'Allah. Vous allez trouver les prophètes d'Allah et vous allez trouver la plus belle pensée. Et vous allez trouver les vraies lumières, d'accord? Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Un frère me dit, je ne sais pas s'il est frère en humanité, ou frère dans les pulsions que l'âme humaine peut avoir. Il peut être mon frère aussi dans les pulsions, sauf que il a atteint des niveaux de méchanceté et de sauvagerie intellectuelle laide, détestable. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit l'islam est une escroquerie politique, manigancée par un barbu qui avait une barbe à puce. Oui, le respect. Donc, tu vois, toi, tu n'appartiens pas à cette catégorie d'hommes et de femmes non musulmans qui sont ouverts d'esprit, qui sont respectables et respectueux. J'aimerais bien t'entendre. Donc là, tu viens dans mon monde à moi, dans mon oasis à moi, il est à moi, n'est-ce pas? Et tu viens marquer le territoire. Wallah, j'aimerais bien t'entendre. J'aimerais bien t'entendre argumenter. Argument contre argument. D'accord? Argument contre argument. J'aimerais bien t'entendre le faire, s'il te plaît. Et devant témoin, si tu veux. C'est ça l'ouverture d'esprit. Moi, je t'ai pas attaqué, je t'ai rien fait, mon ami. Donc, l'islam, donc il vient marquer le territoire dans la chaîne de l'oasis. L'islam est une escroquerie politique manigancée par un barbu qui avait une barbe à puce et qui a pondu un livre délirant. Prouve-moi. Je ne veux que ça. Je ne rêve que de ça. Prouve-le-moi. Et c'est moi qui commencera à attaquer ce Mahomet, ce barbu
avec une barbe à puce et ce maniganceur. D'accord? Allez, prouve-le-moi. Moi, je te dis, c'est avec la science que je te dis. Oublie la croyance. Avec la science, la science, la plus belle des sciences, avec la littérature, avec le plus beau art de la poésie, avec toutes les sciences qui se cachent derrière les poésies, la prose, la production humaine, quelle qu'elle soit, avec la science, allez, je te dis qu'il est strictement impossible pour Mahomet et pour un autre homme de produire le Coran. Alors maintenant, je te demande d'être honnête et de partir approfondir. Quelle que soit l'heure humaine, quelle qu'elle soit, elle atteint très rapidement ses limites, elle tombe dans les oubliettes. Quelle qu'elle soit, prends-moi n'importe quelle auteur, quel qu'il soit, de la civilisation grecque, de la civilisation romaine, qui ont influencé beaucoup d'écrivains. D'accord? Combien de personnes dans le monde l'Élise. Un, qu'est-ce qu'ils racontent dans ce qu'ils disent? Deux, et tu verras qu'ils racontent des choses liées à leur contexte à eux, à leur moment de vie à eux, à leur tergiversation à eux, à leurs préoccupations à eux. Le Coran est hors ça. Le Coran est hors ça. Moi, je vous défie, je vous défie. Et d'autres ont essayé avant vous. Ils se sont cassés les dents. Je défie les chercheurs contemporains, s'il vous plaît les thésards, s'il vous plaît les étudiants, allez faire des thèses, allez étudier en profondeur avec tous les microscopes du monde, avec n'importe quel fondement d'une science. Choisis une science, respecte son référentiel, d'accord, scientifique, hein, et prouve-moi s'il te plaît que le Coran est une production humaine. Il est pas quasi. Il est certainement et définitivement impossible que le Coran soit une production humaine. La Bible, tu l'ouvres à 12 ans, à l'âge de 12 ans, le moment où tu commences à discerner entre le bien et le mal. Tu ouvres la Bible, d'accord? Tu la lis, d'accord? Une page ou deux, et tu peux malheureusement la jeter dans la poubelle. La jeter dans la poubelle. Mais c'est fort, Moustapha. Qu'est-ce que tu racontes, Moustapha? Je fais de la métaphore à très haute voltige. D'accord? Il y a quand même il y a dedans des bribes d'origine divine. D'accord? Et c'est passé par plusieurs moulinettes et plusieurs traductions. On voit même plus la bribe d'origine divine. Mais tout le reste, c'est de la poubelle intellectuelle d'hommes et de femmes qui ont marqué le territoire, qui ont fait pipi, qui ont fait tout ce qu'ils ont voulu dans un livre présenté comme un livre sacré. Je pousse le raisonnement jusqu'à son extrême, avec toute mon ouverture d'esprit, avec tout l'amour que j'ai pour les frères chrétiens, et avec tout le respect que j'ai pour eux, je leur dis, ah, c'est comme ça, ouvrez votre livre, ouvrez-le. Et je vous défie, en l'ouvrant ensemble. Et déjà, il y a combien de versions de votre Bible? Chaque jour, ils vous disent, on a trouvé une. D'accord? C'est une tonne, les pauvres. D'accord? Donc, on ouvre celle que vous voulez. Celle qui a subi toutes les manipulations, toutes les moulinettes, tous les rajouts, toutes les suppressions. Et tu vois rapidement, ça ne vaut rien. Par contre, pose le Coran. Pose le Coran. Et essaye de trouver une trace humaine. Moi, je te dis, trouve-moi juste une trace d'un homme. Une seule. Dans une expression du Coran, s'il te plaît, trouve-moi juste une trace humaine et je te donne ce que tu veux. Donc, il dit quoi, le monsieur? Délirant et ensuite prétendu que cela lui a été remis par Dieu lui-même. On ne dit pas par Dieu pour toi, pour te faire plaisir. Il faut me dire par qui. Juste ça. Qui a la possibilité et qui a la capacité pour sortir le roi? Qui? Personne. Ni avant l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni après l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran lui-même défie l'humanité de produire un verset, 10 versets. Produit une phrase, produit une expression du Coran. Essaye. Et tu tomberas rapidement dans des contradictions et dans des pièges. Le Coran, attention, il domine, mon frère. Il domine le Coran. Il domine tout. N'importe quel écrit ne peut que baisser le regard. Et je vais te dire quelque chose que tu découvriras le jour où tu ouvriras ton cœur. Allah dit, dans un hadith,
Parole. Et ça aussi, c'est un défi. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a inventé le Coran, il a inventé le hadith. Le hadith est un style qui n'a rien à voir avec le Coran. Comment un homme sort deux styles et tu repères le style de Mohammed et dans le style de Coran, tu repères très rapidement qu'il ne peut pas être de Mohammed. Donc il y a de sa bouche est sorti des paroles qui sont, on sait qu'elles sont d'origine très élevée, mais c'est la parole de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec l'expression de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, inspiré par Dieu, mais le Coran, non, le Coran c'est la parole de Dieu, inspiré par Dieu à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce que Allah dit dans un hadith Qudsi. Un jour tu découvriras ce que c'est un hadith Qudsi. Il dit, Fadlul على سائر الكلام كفضلي على سائر الخلق. Le mérite du Coran par rapport à n'importe quelle parole, par rapport à toute autre parole, et comme mon mérite, le mérite du Seigneur par rapport à toute la créature, à toute autre créature. Donc imagine la puissance. Voilà cette métaphore qu'Allah te donne. Il te dit le mérite du Coran, et c'est vrai, prends n'importe. Allez, choisis. Tu es malin. Choisis-moi le meilleur écrivain que tu as connu, le meilleur prosateur que tu as connu, par 10 minutes de raisonnement. Je te le mets à la poubelle. Plus de 2 minutes, je te donne des fléchettes et je demande de me tirer les fléchettes sur mon visage, sur ma barbe à peau, à grenouille, à sauterelle. D'accord? Tu ne vaux pas grand-chose, l'ami. Pas grand-chose. Il y a un qui va s'énerver, il va me dire, pourquoi tu lui dis tu vaux? Non, non, il vaut rien. Il vaut rien. Ah, mais il vaut rien, le pauvre. Il est venu marquer le territoire, le pauvre. La chose par laquelle les chiens marquent le territoire a plus de valeur que lui. Non? Le riz n'a plus de valeur. Le riz peut avoir des choses intéressantes. Il peut servir à quelque chose, le riz. Ce personnage-là, avec cette haine-là, avec cette méchanceté-là, avec cet orgueil-là, Wallahi, il ne vaut pas la défection qu'il laisse dans les toilettes et l'urine par lequel il marque le territoire. D'accord? Donc il nous dit quoi? Et qui politique, donc l'islam est une, ok, remis par Dieu lui-même, ok. Quand on voit que les califes sont au-dessus de Dieu dans l'islam sunnite, entre parenthèses, homme politique. Quand on voit que les califes sont au-dessus de Dieu dans l'islam sunnite, entre parenthèses, en politique. Oh, que c'est beau. Tu as déjà vu un pape chez les musulmans, mais même parmi les califes, il n'y a pas, ceux qui se sont pris pour des califes, montre-moi s'il te plaît, il y a des égarements, il y a des exceptions, il y a des ratés. Mais global, nous, on prend toujours la règle. L'exception, laisse-la pour confirmer la règle. Prends-nous la règle. Des califes se sont pris pour des hommes au-dessus de Dieu. Il insiste. Là, tu sais plus qui est derrière. Est-ce que c'est un chiite? Est-ce que c'est un athée? Est-ce que c'est un minable? Est-ce que c'est un coraniste? Est-ce que, quel type? Parce que les gens sont derrière un pseudo. Ils sont brillants derrière le pseudo. Ils sont braves et courageux, mashallah. Va jouer. Maintenant, tu te sens un homme, tu te sens brillant, bismillah. Toi, avec tes copier-coller, et moi, que mes oreilles et ma bouche. Et tu enregistres. Et wallahi, je te clouerai le bec de A à Z, jusqu'au bout du bout. Je dois casser ton orgueil, tu m'excuseras. Je rêve d'un jour où tu ouvriras ton cœur pour te sauver toi-même. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est aimé. Il a été aimé par des milliards de personnes. Il a été aimé par des milliards et des milliards et des milliards de personnes. Et ça continue. Et c'est un amour intarissable. Et c'est un respect intarissable. Et nous, on n'a pas dit qu'il est venu se sacrifier pour l'humanité. Ah non, non, non. C'est un prophète. Un serviteur d'Allah. Un simple humain. Mais qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour transmettre le message universel qui est en train de te bousiller le moral et qui est en train de te pourrir ton instabilité. Et toc! Et toc!